Alerte coronavirus. Nous sommes actuellement dans une période assez spéciale, donc pour ça j'ai décidé de fabriquer une petite alarme qui, quand quelqu'un passe ou quand on claque des doigts, on a un panneau qui se lève avec écrit « Lavez-vous les mains » et une belle alerte sonore, voilà. Alors pour commencer, on va récupérer donc ce vieil haut-parleur de récupération et on va commencer à fixer les premiers câbles. Voilà, on passe à l'impression 3D de notre petit modèle. C'est parti sur la carte SD et ça va être envoyé directement dans notre imprimante 3D. Voilà, on est parti pour à peu près 3 heures d'impression. Et à la moitié, on change de filament pour ensuite avoir ces deux couleurs. Voilà, alors là, je vous montre un des composants importants, le MOSFET, qui permet de faire du son dans le haut-parleur avec un Arduino. Là, c'est notre sensor pour le son, la carte Arduino Uno, et on va tout brancher dessus. En soi, c'est assez simple, on a chaque composant qui a entre 2 et 3 fils et qui est relié à la carte. Bon alors voilà, maintenant je vais vous expliquer en quelques secondes le fonctionnement de notre programme Arduino. Alors très simplement, on va avoir une librairie PCM qui elle va permettre de définir le son qui va être émis par le haut-parleur, donc dans ce cas-là, c'est ma voix qui dit « Attention coronavirus ». Et ensuite, on a Void, la boucle Setup, qui elle va juste initialiser les pins du moteur pas à pas et faire une initialisation du haut-parleur en essayant une fois le « Attention coronavirus ». Et ensuite, on a une boucle Loop qui elle va faire répéter à chaque fois que le détecteur entend quelque chose, tac, il lance le moteur et le haut-parleur. Et ensuite, on a deux petites boucles qui, elles, permettent de gérer le moteur pas à pas.
coronavirus. Alerte coronavirus. Alerte coronavirus.